dans le même, nous n'avons pas la capacité au niveau du gouvernement de les accompagner et de monter réellement ce qu'ils ont pu transformer. Et c'est les autres qui bénéficient. Je suis panafricain, je suis content. Mais, à bon heure d'abord chez toi, avant chez les autres. Donc nous allons transformer nos fourniers et moi nous sommes. Mais au moins, qu'on s'en sorte, au moins la protection de nos canelles ne sont plus valides. Voilà, donc, et ça, c'est le travail des femmes. Aussi, j'avais dit à votre ministre, quand vous avez la fête des femmes, vous allez acheter des tissus imprimés. Comment voulez-vous encourager les femmes qui font l'indigo? Vous voulez acheter des tissus imprimés, achetez des pains indigo. On a vu donc au 8, même au 8 mars, c'était des pains indigo. Là aussi, il faut encourager les femmes qui font des pains indigo. Et c'est valable pour tout, pour les hommes. Quand je dis produire guinéen, il faut consommer guinéen. Ça veut dire que quand on est en train d'accompagner les cordonniers de Dalmat, ils font des vêtements de chaussures, ils font des Islamouins, ils font des chaussures italiennes, parce qu'ils font aussi le bien. Il faut que le gouvernement, après, c'est pas le président, le ministre, tout le monde porte des chaussures fabriquées. Vous voyez, les gens aiment imiter le président. Je dis que j'ai fait école comme ça, là, tout le monde se colle. Donc, comme j'avais porté des chaussures, des condoleurs de là-bas, la semaine d'après, tout le monde va faire, Malik va faire, tout le monde va faire. Alors là aussi, il faut que nous accompagnions nos artisans. Parce que nous allons leur donner les moyens de produire davantage. Mais il faut qu'ils vendent. Pour cela, je vous assure que les condoleurs de là-bas peuvent faire n'importe quelle chaussure fabriquée en Italie. Vous savez qui fabrique ça en Italie? Ce n'est pas les grandes maisons là, hein. C'est des petits colliers qui fabriquent. Oui. Et chaque maison seulement met sa griffe et quartier ceci. Mais c'est les mêmes qui fabriquent et c'est seulement chacun sa marque. Ça veut dire exactement c'est les petits artisans en Italie qui fabriquent, comme les petits artisans ici. Il faut qu'on perde le complexe de l'Occident, le complexe de l'extérieur. Dire que ce qui est fait en France est mieux, ce qui est fait en Allemagne est mieux, c'est pas sûr que nous, nous avons des artisans capables de le faire, si nous le faisons en Occident. Voilà comment mon pays. Alors, je vais dire à mes chers frères occidentalisés que désormais il faut retourner à la source, à la base, et faire confiance à son pays, faire confiance aux femmes, aux artisans guinéens, car elles peuvent faire tout comme les autres, à condition qu'on les encourage et les accompagne. Merci. Merci. Donc, je vous souhaite un bon séjour à Conakry et un bon retour. Mais comme certaines femmes sont venues de loin, pour les encourager, la présidente va prendre en charge leur transport.